Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, petite vidéo de présentation de mes réalisations sur mes projets en cours. Alors, comme à l'habitude, je commence avec le grand voyage de Amélie de la chaîne Design et Diamant. Alors, sur ma toile Captivité de Laisse-toi briller par l'artiste Bianca Gilbert, je devais faire la case. Bonne question, je me souviens même plus c'était quoi le numéro. Mais je devais faire la case. Excusez-moi. Qui est tout en bas. Alors, je vais essayer de. Bah, tout en bas. Toile ne veut pas. Descendre. Elle n'est pas souple cette toile. Mais... Alors, je devais faire la case juste ici. Elle est faite. Et pour le mois de juin, je dois faire la case numéro 7 qui est juste ici où. Excusez-moi. Au-dessus. Alors je vais être sur la joue et un peu dans la nuque du renard. Alors c'est tout pour le grand voyage. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous présenter sur cette toile. Alors ensuite j'ai le projet des mystères avec le Crafteuse Squad. Bref, avec les crafteuses. Je vous avais présenté cette toile au mois de mars. Je n'avais pas travaillé dessus pour le mois d'avril. Mais au mois de mai, j'ai travaillé dessus. Alors, j'avais une, deux et excusez-moi, trois sections. Et comme vous voyez, j'en ai une quatrième de fait dans le bas. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je sais qu'il y a un animal ou quelque chose ici. Et ici, je crois voir des feuilles. Mais ça ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Et j'ai senti un petit diamant qui voulait partir. Alors voilà. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas fait grand chose durant le mois de mai. Alors, la tant entendue toile avec le loup, que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient hâte de voir le rendu. Malheureusement, je n'ai pas fait grand chose dessus. Mais je vais vous la présenter quand même. J'ai fait une petite, pas une petite, c'est quand même une grande section. J'ai fait la partie ici, sous le, la partie ici là dans le bas que j'ai fait. J'en ai pas fait d'autres. J'ai le chat qui vient d'essayer de grimper sur mon bureau et qui finalement elle n'a pas. Elle a décidé de changer d'avis et elle s'est, comment dire, pas cassé la gueule, mais presque. Elle va bien, ne vous inquiétez pas, mais elle a voulu grimper et elle est tombée. Bon, alors je reprends. Sur cette toile, j'ai à peine fait le petit, la petite section dans le bas. J'espère pouvoir... retravailler dessus au mois de juin. J'aimerais beaucoup. Puisque moi aussi j'ai hâte de l'avoir terminé et j'ai même pas la moitié de fait encore. Et pour la dernière, je vous la montre. C'est le fameux lion Signastro de l'essentiel d'épée. Et comme vous voyez, j'ai seulement fait la première bande dans le haut. Comme ceci, vous allez mieux la voir. Je
j'ai seulement fait la première bande dans le haut durant tout le mois de mai. Faut savoir que j'avais terminé mon ancienne toile, le chat cosmique, avant le 1er mai. Alors, quand j'ai commencé celle-ci, je crois que c'était le 5 mai. Je suis pas très sûre, mais comme vous voyez, j'ai pas fait énormément de loisirs créatifs durant le mois de mai, par manque de temps. Mais j'en ai quand même fait un peu. Alors, j'avais comme projet que j'ai fait durant le mois de mai, c'était pas mal ça, les projets. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et vraiment désolée si ça a été très court. Je vais essayer de me rattraper au mois de juin. Pouvoir avancer un petit peu sur tous mes projets. Surtout que j'ai des nouveaux projets que j'ai commencé et que je veux commencer. Mais ce ne sont pas des projets Diamond Painting. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai déjà sorti une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Une vidéo concernant un sale qui sera mon tout premier. Sinon, comme je vous dis, je vais vous présenter mes autres projets qui s'en viennent dans pas très longtemps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!